suis une entrepreneuse du vivant, j'ai 35 ans, je m'appelle Nadège Petit et je suis agricultrice en grande culture dans le sud du département de l'Eure en Normandie. Une journée avec moi, alors c'est très varié parce qu'on a un métier qui dépend vraiment du temps qu'il fait et de la saison. Donc aujourd'hui par exemple, on est en train d'arracher nos pommes de terre pour la vente directe. Comme il a plu un petit peu hier, et ben les conditions sont idéales. Cet été, nous avons passé pas mal de temps dans les tracteurs pour la récolte et sur les différents chantiers. L'hiver, on est un peu plus au bureau. En tant qu'agriculteur, on a des métiers très variés. On fait de la comptabilité, on a des réunions, des formations. On a aussi des réunions techniques avec les autres agriculteurs. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que c'est vraiment un métier d'avenir. C'est-à-dire que demain, on aura encore besoin d'agriculteurs pour nourrir la population française. Il y a aussi tout ce qui est problématique du changement climatique. Alors, il va falloir qu'on s'adapte. Mais du coup, c'est vraiment un réel travail d'innovation. On travaille avec des GPS, on travaille avec des images satellites, on travaille avec des capteurs de biomasse, on travaille avec vraiment des tas d'outils qui sont hyper connectés. Et donc ça, c'est aussi un atout du métier. Il y a 2 ans, j'ai été visiter une filature de lin en Alsace. C'était un vrai challenge de l'industrie textile qui a l'ambition de revenir en France. Et donc, du lin que je fais chez moi deviendra des jeans qu'on portera demain. Et ça, pour moi, ça a été une vraie révélation. C'est les France AgriTwittos parce que c'est plusieurs agriculteurs et plusieurs personnes du monde agricole qui, à travers les réseaux sociaux, essaient de faire découvrir notre quotidien. Alors avec des photos, des vidéos, des chansons, des explications pédagogiques, etc. Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez aussi, avec le hashtag entrepreneur du vivant, aller découvrir toute la diversité de nos métiers.